Le 8 mars, nous comptabilisons une vente de marchandises à crédit au client Sheldon SA. Facture de 10 000 francs, payable à 60 jours, avec un escompte de 5% pour un paiement à 20 jours. Donc, le 8 mars, on aura plus de clients, créance client à débiter, et on vend des marchandises pour 10 000 francs. Deuxième étape, le 20 mars, nous recevons un avis de crédit de la banque relatif au paiement de Sheldon SA. On nous demande de journaliser l'encaissement. Donc, l'avis de crédit, c'est une bonne nouvelle pour nous. On a plus d'argent dans la banque et cet argent provient d'où? Du paiement de Sheldon SA. Donc, on a le compte banque qui doit être débité et on va réduire donc la créance qu'on avait enregistré tout à l'heure, elle est réduite vu que le client maintenant va nous payer. Donc on va retirer les 10 000 francs qu'il nous doit de notre compte. Maintenant, vu qu'il a payé le 20 mars et que la facture a été émise pour le 8 mars, on est dans les délais de 20 jours. Donc on va devoir lui accorder l'escompte qu'on lui a promis. Et pour ce faire, on va donc utiliser le compte escompte accordé. Il faut considérer donc l'escompte accordé comme une charge. L'augmentation d'une charge s'inscrit au débit. Et donc on a 5% qu'on accorde, 500 francs. Et donc le solde va être encaissé dans le compte bancaire, 9 500 francs. Voilà pour le 20 mars. Et dernière opération, le 21 mars, nous payons par le CP, le compte postal, les frais de livraison de la marchandise chez Sheldon SA. Nous avions mandaté une entreprise de livraison qui nous a facturé 300 francs. La facture est non comptabilisée. Donc là, on prend en charge les frais d'envoi de livraison de la marchandise en ayant mandaté une entreprise qui nous facture donc 300 francs. Je vais mettre les 300 francs. Et là, on va utiliser un compte qui s'appelle frais d'expédition. Selon les plans comptables, ça peut s'appeler frais de transport, frais de vente. Bon, pour nous, c'est frais d'expédition ici avec ce plan comptable. Et puis, donc payé par le CP, donc par la poste.